Canva est un jeu de collection sur le thème de l'art. Les joueurs choisissent des cartes art pour les associer et créer des tableaux uniques. Dans Canva, les joueurs incarnent des peintres et participent à un prestigieux concours. Pour espérer gagner le premier prix, il faut créer 3 œuvres d'art. Chaque œuvre est composée d'un fond et de 3 cartes art superposées. Des icônes sont présentes en bas et permettent de la caractériser. Lors de son tour, le joueur actif a 2 choix. Il peut prendre l'une des cartes art disponibles sur le tapis de jeu ou achever un tableau. La première carte de la piste est gratuite. Mais si le joueur en veut une autre, il doit poser un pion inspiration sur chaque carte traversée. Au début de la partie, les joueurs commencent avec 4 pions inspiration. Si la carte que le joueur choisit possède des pions inspiration, il les ajoute à sa réserve. Les cartes sont ensuite décalées vers la gauche pour combler le vide et une nouvelle carte est piochée. La limite de cartes en main est de 6 et il n'est pas possible de la dépasser en prenant une nouvelle carte. Pour achever un tableau, le joueur choisit 3 cartes et les glisse dans le protège-carte de son fond. Il peut les superposer dans l'ordre de son choix. Seules les icônes visibles comptent. Le joueur regarde ensuite chaque carte score pour vérifier si les critères sont remplis et gagne un ruban de la couleur correspondante lorsque c'est le cas. Il est possible de remplir plusieurs fois un même critère pour un tableau, mais chaque icône déjà comptabilisée ne peut pas être comptabilisée une seconde fois. Puis chaque icône bonus rapporte un ruban bonus. La partie s'arrête lorsque chaque joueur a créé ses 3 œuvres. Un décompte des points a lieu, couleur par couleur. Les points gagnés sont indiqués sur des cartes score. Celui qui a le plus de points gagne. Il est possible de choisir les cartes score au hasard au début de la partie ou de suivre l'un des scénarios. Pour conclure, Canva est un petit jeu de collection léger, aux règles simples et au matériel juste magnifique.